Là, on est devant les entrepôts de la Scalande. C'est la centrale d'achat des Leclerc du département et un peu plus large, hein, sur la région. Et donc là, les agriculteurs qui se sont mobilisés pour défendre leur territoire et défendre nos moyens de production et donc l'irrigation aujourd'hui, en ont aussi assez du jeu de dupes avec les GMS et avec les centrales d'achat. Et donc aujourd'hui, c'est leur montrer qu'on ne les oublie pas. Hein. On s'est occupé de l'État, de la préfecture et des associations environnementalistes. Eux, ils n'y sont pas pour rien aussi de la détresse dans laquelle sont les agriculteurs aujourd'hui. Et donc, c'était histoire de leur montrer un peu de quoi on était capable une nouvelle fois. Alors, c'est quoi le problème avec eux? C'est les prix trop bas, c'est ça, expliquez-moi. Oui, c'est toujours la course au prix bas, c'est toujours la course au moins cher, à la concurrence avec leurs collègues, autres marques de GMS. Et en fait, il n'y a aucune entente, aucune construction du prix qui peut être fait avec eux. Tout le monde se renvoie la balle et celui qui trinque à la fin, c'est toujours les agriculteurs. Vous parlez de détresse des agriculteurs, est-ce que vous m'expliquez un peu en quoi ça consiste ? Ouais, ben vous avez pu voir sur nos banderoles, notamment les associations environnementalistes comme la CEPANSO, hein, on a demandé à Georges Sengal si un suicide par jour d'agriculteur, ça ne lui suffisait pas. Mais moi j'ai envie de dire un peu la même chose à la Scalande. Alors moi j'ai eu un coup de téléphone auquel il faut que je réponde, mais en me disant mais on fait plein de choses pour les agriculteurs. Oui, ils font des choses avec un agriculteur et les 99 autres, ils les laissent crever sur le bas de la route, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus dur que jamais d'être agriculteur. Mais c'est un métier de passion. C'est pas un métier en soi qui est difficile. Vous pouvez le voir, on a quand même des engins agricoles, on a quand même de la technologie. C'est un métier passionnant où on peut s'éclater, où on peut aussi avoir une vie normale, une vie de famille. Mais par contre, travailler dur, ok, mais travailler sans être payé, ça suffit. Aujourd'hui, c'était une mobilisation d'ampleur importante. Ah oui, aujourd'hui, je pense que c'est une vraie démonstration de force des agriculteurs du territoire. Nos amis des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et du Gers nous ont rejoints. Et vraiment, ça fait chaud au cœur parce que là, on leur a montré qu'on était capable de se mobiliser. Même dans un contexte particulier et morose pour les agriculteurs, il y a encore de l'âme dans ce métier et encore des gens qui ont envie de se défendre. On sent que les agriculteurs, ils sont en colère, ils sont énervés, que ça va pas en ce moment. Ouais, mais ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment que dans la campagne ça brûle. Il était temps qu'on fasse lâcher un peu la pression aujourd'hui. C'est comme lâcher un peu la soupape de pression, mais à un moment donné, elle va remonter, quoi. S'il n'y a pas des avancées sur la loi alimentation, sur la rémunération des producteurs et sur... Mais qu'on nous foute la paix, en fait, quoi. Vraiment, le message, c'est ça, qu'on nous foute la paix et que les associations environnementales aillent s'occuper de ce pourquoi elles étaient faites au départ, notamment la CEPANSO, c'est-à-dire, voilà, s'occuper de projets en faveur de l'environnement que les agriculteurs soutiennent, hein, dans leur projet de défense de la biodiversité ou autre, hein. mais que sur nos moyens de production, on nous foute la paix, voilà. Vous dites la pression elle est énorme, ça peut exploser, quand, comment? Mais là, aujourd'hui, on voit que la semaine dernière, les éleveurs, ça a explosé à Clermont, qu'aujourd'hui, à Mont-de-Marsan, ça explose aussi. Moi, les autres territoires, ils peuvent exploser aussi. On avait prévenu que ça faisait un moment que ça couvait, et bien là, c'est parti, quoi. Hein. Le contexte sanitaire, il a aggravé les choses? Non, je pense pas que... Non, je dirais que le contexte sanitaire, il a fait que les agriculteurs se sont encore plus rapprochés. On avait pour habitude de se voir. Là, ça fait un moment qu'on ne pouvait plus se voir ou autre. Et les agriculteurs, dans la campagne, ils ont... Le syndicalisme agricole, il fonctionne parce que les jeunes et moins jeunes aussi, la FNSEA, les JA, les agriculteurs ont besoin de se voir, partager leurs problématiques, partager aussi ce qui marche bien sur leurs exploitations et parler de leur métier parce qu'on est tous des passionnés. Et donc aujourd'hui, oui, on avait ce besoin-là de pouvoir montrer qu'on est encore là, qu'on est encore vivant. Vous